Qui eût cru qu'il deviendrait l'écrivain qu'il est aujourd'hui? Sans doute pas. Ses professeurs, renvoyés de plusieurs établissements, il n'est pas, à proprement parler, un bon élève en dépit de son amour pour les lettres. Cela ne l'empêche pas de décrocher l'Institut d'études politiques de Bordeaux, puis de travailler pour plusieurs rédactions en tant que journaliste. D'abord La Dépêche du Midi, puis Le Figaro Madame et Le Figaro Magazine. Il est par la suite à la tête d'une maison d'édition. Lui-même a beaucoup publié, plus d'une soixantaine de livres. C'est l'écrivain Denis Tillinac que nous recevons aujourd'hui. Bonsoir Denis Tillinac. Bonsoir. Merci d'être avec nous et d'autant plus merci que vous n'habitez pas tout à fait à côté, vous habitez en Corrèze. J'habite entre la Corrèze. Voilà, même si vous venez assez régulièrement à Paris. Double citoyenneté. Exactement. Et donc on est ravis de vous avoir avec nous pour parler notamment aujourd'hui de votre dernier livre. Alors votre dernier livre, il est publié aux éditions Albin Michel et s'intitule « Elle, éloge de l'éternel féminin ». C'est un joli titre et c'est un joli hommage aussi à la féminité. Vous dénoncez dans ce livre le raz-de-marée qui prend d'assaut la forteresse de la masculinité. Or, selon vous, les féministes donc, ont décidé de faire un sort à la masculinité, c'est ça que vous expliquez? Oui, il faut bien s'entendre quand on parle des féministes. Il y a eu un combat féministe historiquement noble et juste au 19e siècle et même au 20e siècle. La conquête des droits, la femme n'est vraiment un sujet de droit au sens plein du terme que depuis assez peu de décennies, en France notamment. Mais bon, un néo-féminisme importé des États-Unis qui conteste, nie ou minore par exemple le genre, le masculin, féminin, ce que Jung appelait l'animus, l'anima, confond un père, une mère, un grand-père, une grand-mère, tout ça à l'intérieur d'une espèce de philosophie de la dissémination où il faudrait que les individus soient tous un peu banalisés. Et moi, je pense que je suis redevable à une civilisation, la nôtre, la civilisation occidentale, gréco-latine, judéo-chrétienne, qui a, au long de son histoire, idéaliser la femme et construire ce que Faust, dans la tragédie de Goethe, appelle l'éternel féminin. L'éternel féminin, c'est une spécificité de notre civilisation. On est en train de le perdre parce que les femmes sont en train de devenir des mecs au féminin. Et on va y revenir, je voulais juste préciser, je crois que ce n'est pas votre dernier livre, c'est votre avant-dernier livre. Hein. C'est bien pareil. Ça. Mais oui, c'est ce que vous, en fait, ce que vous dénoncez, si je comprends bien, n'est pas tant le féminisme, mais c'est ce qui est devenu le féminisme. Oui, c'est ça. La perversion de la notion de féminisme. Ce qu'on parle les gender stories, les femmes, cette espèce de discours selon lequel le distinguo entre masculin et féminin serait seulement culturel. Bien sûr que les rapports masculin-féminin sont dépendants du substrat culturel d'une société ou l'autre. Mais dans toutes les sociétés humaines, depuis la préhistoire, les fonctions ont été distinctes parce que les genres ont été clairement déterminés. Le rôle de la mère n'est pas celui du père, etc. Alors vous évoquez beaucoup dans le livre la figure de Marie, véritable idéal féminin s'il en est. Que vous inspire-t-elle et en quoi a-t-elle marqué notre culture d'une forme spécifique? Oui, je me suis demandé pourquoi il y avait dans cette civilisation et pas dans les autres, au fond, une idéalisation de la femme, du féminin. Il y a une très belle poésie chinoise ou japonaise, un truc. La femme n'est pas idéalisée. Il y a des sentiments d'amour, le sentiment maternel, mais il n'y a pas cette idéalisation. Et en creusant un peu le sujet, je me suis aperçu que ça vient dans notre culture de deux cultes, le culte de la Vierge, et le culte de Marie-Madeleine. Hein. Et la Vierge, bon, c'est... Et on rompt avec les divinités de l'Antiquité. La Grèce, de l'Égypte, qui sont parfois maléfiques, capricieuses, ambivalentes. La Vierge, c'est la compassion, la tendresse, la pureté. Marie-Madeleine, c'est l'amour absolu. Et leur culte est récurrent dans l'histoire, notamment l'histoire de l'art occidental, l'histoire de l'art depuis le paléo-chrétien, on va dire, jusqu'au baroque inclus, c'est une histoire de représentation de la Vierge sous toutes les formes. Et Marie-Madeleine apporte cette ancienne pécheresse dans la légende. Hein, c'est un personnage composite, il y en a étroit. Marie de Magdala, Marie de Béthanie dans les évangiles, puis on a adjoint une ancienne pute. Égyptienne du 3e siècle qui s'est repentie à Jérusalem et qui est une sainte. Et donc on en a fait une Marie-Madeleine qui est célébrée dans notre iconographie. Et donc là on a la femme est quelque
face à l'homme, quelqu'un qui nous sidère, qui, par une certaine façon, nous échappe toujours. Elle est... Mais qui, c'est très juste quand vous dites qu'il nous échappe, c'est très juste aussi quand vous décrivez ce personnage de d'éternel féminin comme un élan vers le mystère, vers la transcendance, mais on a le sentiment que finalement que cette femme complètement sublimée, complètement idéalisée, se dérobe toujours, donc finalement, elle n'existe pas. Ben, d'une certaine façon, il est vrai que c'est une projection de l'imaginaire masculin. Mmh. Hein, elle, on pourrait dire que c'est la page blanche sur laquelle nous écrivons ou nous peignons nos plus beaux fantasmes. Il y a du vrai, mais il y a aussi sa présence face à nous, bien réelle. Et il y a dans le cœur et l'âme masculin une espèce de dialectique entre cette présence et cette absence, entre une réalité et son idéalisation qui tisse la richesse inouïe des rapports masculins-féminins dans lesquels la séduction tient sa place. Et c'est tout ça qui est nié sous le prétexte que l'idéalisation de la femme a souvent servi à la marginaliser socialement, ce qui est vrai aussi. Mais est-ce que finalement cette sidération de l'homme pour cette femme complètement sublimée ne peut pas qu'entraîner des malentendus et des décalages? Mais les malentendus, les décalages, les équivoques, le clair-obscur, les ambiguïtés, c'est toute la beauté du relation masculin-féminin. Face à une femme, je ne peux pas la considérer comme une concurrente. Je ne peux pas. Alors vous parlez beaucoup de... Je lui rends les armes a priori. Vous parlez de compassion, de tendresse, de pureté, autant d'attributs de cet idéal féminin que vous encensez et dont vous semblez dire qu'ils ont disparu, c'est ça ? Ils sont menacés par un air du temps, qu'on appelle un champ épistémologique en philosophie, une ambiance qui tend à vouloir, sous prétexte d'égalité dans tous les champs de l'action et de l'activité même publique, qui tend à vouloir que la femme ne soit qu'un homme au féminin, avec un discours d'ailleurs inverse à celui des féministes de ma génération, des années 60, qui elles en rajoutaient presque sur la spécificité du désir féminin, de l'imaginaire féminin, de la créativité. Elles disaient, laissez-nous exister davantage socialement, on va apporter quelque chose de spécifique. Là, c'est le contraire. Elles disent, vous gagnez plus que nous, on veut gagner pareil. Vous êtes PDG, on veut être PDG. Vous êtes ministre, on veut être ministre. Vous êtes président de la République, on veut être président. Qu'elle soit ce qu'elle veuille, mais qu'elle reste aussi ce qui nous échappe par les fenêtres de nos chimères. Alors je vais vous proposer d'en lire un extrait pour donner un petit peu aux téléspectateurs et téléspectatrices une idée. « Ainsi peut-être sera sauvé le plus précieux, cette malice de l'histoire qui fait de la femme, nonobstant ses infortunes, l'impossédée de tous les vents, l'inaccessible, là-bas, là-haut, plus loin que le soleil. Plus lumineuse, plus salvatrice, oui, la femme sera l'avenir de l'homme si elle consent à réenchanter le monde avec son atout maître, sa féminité. » Bah, tout est dit, mais faut pas qu'elle la nie. Nous aurions tous à y perdre, elle et nous, parce que sur la base de cette espèce d'égalitarisme outrancier, on va arriver soit à la différence des sexes, soit que nos relations réduites aux acquis d'une espèce de partenariat, soit à la guerre des sexes. Parce qu'on peut imaginer un jour que les hommes, c'est difficile à imaginer parce que la femme contemporaine, les jeunes femmes contemporaines, comme vous madame, se plaignent plutôt que les mecs manquent de virilité. C'est pour ça de plus en plus, elles en prennent de plus âgés parce qu'elles ont l'impression qu'ils ont pris un peu de consistance. Peut-être qu'elles... C'est intéressant ce que vous dites parce que justement on a le sentiment que vous annoncez un peu, que ce que vous annoncez c'est la disparition du mâle dominant un petit peu. Ben, le mâle, il n'a pas à être dominant, le butor... qui exerce la seule emprise, la seule supériorité effective que l'homme a sur la femme, qui a la supériorité bêtement musculaire, bon ça c'est odieux. Et je suis évidemment solidaire de tous ceux qui dénoncent les violences, y compris conjugales, faites aux femmes. Mais j'ai l'impression que les femmes, moi souvent, mes copines ou les filles de mes enfants me disent, on vous
voudrait que les mecs soient des mecs, quoi. Qu'ils soient... Mais ils sont mal à l'aise parce qu'il y a ce discours où on a l'impression que si on ne calcule pas de façon comptable le partage des tâches, le partage des responsabilités, le partage des prestiges, on passe pour un macho à l'ancienne. Et bon, ben, tout ça, c'est fâcheux parce que si, si les mecs, un jour, disent on en a marre de se laisser culpabiliser, ben, on va reprendre un peu de notre superbe et bon. Vous dénoncez justement cette espèce d'hystérie masculinophobe. Est-ce que c'est vraiment de ça dont il s'agit? Est-ce que les femmes veulent vraiment, selon vous, fabriquer un homme nouveau? Est-ce que, alors bien sûr qu'il y a de ci, de là, des courants, des influences, etc. Mais est-ce que ça ne représente quand même pas une minorité de, des femmes? Vous avez raison, mais sauf que c'est une minorité agissante qui imprègne les médias, qui terrorise les politiques. On a vu quand même une candidate d'un parti qui n'était pas marginal dans une circonscription de Paris, proposer dans son programme qu'on élargisse les trottoirs afin que les hommes et les femmes ne puissent pas risquer de se frôler. Attendez, c'est le symptôme d'une espèce de peur assez inquiétante, quand même. Évidemment, quand on voit ce genre de décision, ce genre de peur, autant dire que votre livre n'a pas plu à tout le monde, et notamment pas aux femmes qui soutiennent ce genre d'hystérie que vous dénoncez. Comment est-ce que vous accueillez les critiques de celles et ceux, et surtout celles qui ont pu vous taxer de réactionnaire face à ce type d'écrit? On va être un peu cynique. J'essaie de leur dire qu'elles ont de beaux yeux, qu'elles ont de belles jambes, qu'elles me charment, et en général, tout s'arrange pas trop mal. Donc c'est-à-dire que je vais, par-delà leur idéologie absurde, en quête de leur féminité, parce que c'est ça qui ça m'a passionné toute ma vie, et bon, ça se passe mieux tout de suite. Derrière la virago la plus effroyable, la femelle la plus hystérique, ben, il y a une femme qui cultive sa féminité, on le voit d'ailleurs à travers les modes vestimentaires, un truc, elles érotisent volontiers leur silhouette, elles ont bien raison, ouais, et on s'y laisse piéger, et on est bien heureux de se laisser piéger. Donc, sur la durée, je ne suis pas inquiet, mais j'ai peur qu'il y ait une génération ou deux qui pataugent dans un malaise dans leurs relations, puis qui bâtissent des couples banco, sans bonheur, et les gosses en payeront les conséquences, parce qu'ils sont victimes de ce qu'on appelle une doxa, un air du temps idiot. Alors, donc on voit quand même des paroxysmes d'hésité, et humiliant pour la femme, la parité. Bon, la parité, outre que c'est antidémocratique, on devrait pouvoir se présenter, c'est du sexualisme, comme on dit, du racialisme, d'obliger de faire un millefeuille, une femme, sur les listes municipales. Dans les communes rurales de ma région, ben, on n'arrive pas à en trouver parce qu'elles n'ont pas envie de faire de la politique, comme j'ai leur donné un peu d'argent pour que vous acceptez de compléter une liste. Et on arrive à cette... Comme il faut la parité et la dualité en même temps, l'égalité homme-femme, on a trouvé ce summum de stupidité. Avant, on élisait un conseiller général par canton, voyez-vous, parce que la responsabilité ne se partage pas. Hein, un homme ou une femme. Ben non, maintenant, on élit un couple. Un couple qui ne se connaissent pas forcément, un couple politique qui peut se chamailler le lendemain, parce qu'il ne faut surtout pas qu'il y ait plus d'hommes que de femmes. Ou plus de... Après, évidemment, il peut y avoir des dérives. Le gouvernement, il faut qu'il y ait le même... Le gouvernement, le président de la République, ou le Premier ministre qui choisit son gouvernement, il doit choisir les plus capables. Il peut être 80% de femmes, 80% d'hommes. Eh bien non, il faut que ce soit 50-50. Alors, pour compléter la liste, ben, il y a quelques chèvres. Alors après, il peut y avoir des dérives dans tous les domaines, et tous ces mouvements militantistes que vous dénoncez, que ce soit Balance ton porc, MeToo, ouais, bien sûr qu'il y a eu... – Parce qu'en plus, c'est la délation. Ah hein, mais, on a, non, mais on a connu ça pendant l'occupation, moi j'aime pas beaucoup la délation. – Non, je suis tout à fait d'accord, et puis il y a eu des épisodes assez sombres de porcs qui ont été dénoncés, alors qu'il n'en était pas tant que ça, finalement. Il y a eu des sombres histoires. Néanmoins, ça a quand même permis à des femmes de faire entendre leur voix, non ?– Non, mais qu'un mouvement raisonnablement incite les femmes à ne plus accepter des violences et leur voisinage à alerter les autorités si vraiment les violences sont effectives, d'accord, mais aller commencer à dénoncer quelqu'un en disant qu'il nous a violés il y a 25 ans,
Ça peut être, on arrive à n'importe quoi, et moi je me méfie de tout ça, parce qu'on est, ça s'inscrit dans un contexte où, vous savez, où sous prétexte de journaliste d'investigation, on va traquer comme ça les gens, y compris dans leur, jusqu'à leur intériorité, et moi je crois à la nécessité dans une société de préserver l'intime, le jardin secret. Mais alors peut-être à la nécessité de préserver l'égalité. Alors que l'on force des femmes à aller se présenter en politique si elles n'ont pas envie, c'est une chose. Mais je voudrais parler du sujet de l'égalité salariale. Sur le sujet de l'égalité salariale, qu'on fasse en sorte que des femmes qui font le même travail que des hommes puissent toucher la même chose, ça ne paraît pas complètement aberrant. Ça va de soi. Non, mais c'est ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça va de soi. Ça fait partie des. C'est l'aboutissement des conquêtes d'un féministe qui fut glorieux, celui de l'âme de gauche, de Louise Michel, de Georges Sand, et même de Simone de Beauvoir. Sauf que Simone de Beauvoir, quand elle dit on ne naît pas femme, on le devient, c'est pas vrai. On naît en Haïti, homme ou femme. Et on devient tel homme ou telle femme en fonction de la culture ambiante. Alors on sent que vous avez quand même un certain respect pour ces féministes comme Simone de Beauvoir ou autres, mais en revanche beaucoup moins de respect pour ce néo-féminisme venu d'outre-Atlantique. Ouais, j'ai du respect pour tout le monde, mais j'observe... Plus de célérité, en tout cas. J'observe qu'en général, on ramasse des États-Unis, de la culture américaine, ce qu'elle a de pire, dans tous les domaines, et effectivement, cette espèce de puritanisme agressif du néo-féminisme américain, dont les femmes ont été l'expression en France. Vous savez, j'y suis particulièrement sensible pour des raisons personnelles. Vous savez, il se trouve que je suis parrain d'une cloche de Notre-Dame. Et elles ont endommagé les cloches de Notre-Dame. Bon, elles étaient pas mal roulé, je le leur concède, mais... Ça ne justifie pas d'aller saccager. Ça veut dire quoi? Ça veut dire se mettait à poil, j'exhibe ma féminité pour mieux la soustraire aux hommes. Il y a quelque chose d'un peu pervers, d'un peu malsain dans tout ça. Et quand vous parlez de guerre des sexes, c'est finalement un refus de l'altérité que vous dénoncez? Oui, bien sûr, c'est l'altérité, en tous les genres. C'est un refus de l'altérité qui va avec ce qu'on a appelé la philosophie de la déconstruction, qui a foutu la pédagogie en France en l'air depuis un demi-siècle, et qui consiste à dire qu'un graffiti et Léonard Vinci, c'est la même chose. Un scribouillage de cinglés et un poème de Rimbaud, c'est la même chose. Le refus de hiérarchiser les affects, les sentiments, les aspirations. De considérer qu'une pulsion, un sentiment et une aspiration, c'est la même chose. C'est ça la toile de fond de tout ce discours ambiant qui infecte l'espace médiatique et même intellectuel, universitaire, politique, depuis les années 60. Bon, il a un peu culminé en 68 à travers les graffitis idiots qu'on voyait sur les murs pendant les révoltes. Et ça continue, espèce de dire, il ne faut pas criminer. Ben, non, un homme, c'est pas une femme. Un catholique, c'est ni un agnostique, ni un athée, ni un musulman, ni un juif, ni un hindouiste. Tous doivent être respectés, mais... Le mot discrimination couvre en fait une volonté d'éradication qui est barbare. Alors nous, on va continuer à prendre un petit peu d'altitude avec vous, et pour ça, je vais vous laisser seule sur ce plateau. On s'envole. Aussi, voilà, aussi, c'est moi qui vais m'envoler, et j'ai un prénom. Ah ben non, vous reviendrez. J'ai un prénom prédestiné pour ça, vous en conviendrez. C'est moi qui vais vous laisser seule sur ce plateau, mais je suis pas très loin. Bon. Je vous donne rendez-vous dans quelques secondes. À vous revenir. Absolument, je reviens après, c'est promis. À tout de suite. Alors Denis Tillenac, vous faites partie de ce qu'il est coutume d'appeler l'école de Brief, c'est-à-dire que c'est le nom donné à un courant contemporain du roman de terroir, des romans qui sont centrés autour de l'univers de la ruralité, et c'est la raison pour laquelle, pour commencer, je souhaitais soumettre à votre sagacité le terme terroir pour voir ce que vous inspire ce terme. Je préfère terrier. Ah oui. Parce que terroir donne une impression de repli sur... la formule de Barrès, la terre et les morts, bon, j'essaie d'être plus ouvert que ça. Je ne suis pas un écrivain de terroir, je suis plutôt un écrivain provincialiste. Vous savez,
Paris est peuplé de provinciaux qui, dans les profondeurs de leur terroir, ont rêvé d'aller s'émanciper, se réaliser dans la capitale. Et puis, à Paris, ils cultivent la nostalgie de leur terroir originel, ils y reviennent. Paris est un. Paris se définit par cette espèce de ressac entre la capitale, la ville lumière, et ses provinces, ses territoires, on dit maintenant. Et moi, je revendique un peu la double appartenance. Je suis d'origine corrézienne et bourbonnaise par ma mère. J'ai été élevé à Paris, puis en province. Je vis dans mon village, le village de mes ancêtres, mais j'ai exercé des fonctions à Paris et je continue à vivre entre Brive-la-Gaillarde et la gare d'Austerlitz. Donc je ne considère pas que je suis un écrivain de terroir, mais bon, j'ai évoqué les douceurs de la province, j'adore y vivre, je crois la connaître pas mal et je l'aime. Alors, puisque vous me parliez de la Corrèze, vous êtes un Chiracien historique. D'ailleurs, vous avez un petit peu, on en parlait tout à l'heure, hors émission, vous êtes un petit peu investi auprès de lui. Est-ce que vous voulez nous en dire quelques mots ? Oui, c'est, j'allais dire, c'est presque un hasard ethnique. Chirac, Tillinac, ça finit pareil, ça rime, si je puis dire. C'est une rencontre, j'étais jeune journaliste, il était jeune politique, plein d'ardeur, plein d'ambition, avec un charisme physique, un panache, un allant, un charme exceptionnel. Et donc, petit à petit, une intimité s'est établie entre lui et moi. Pas du tout politique, jamais appartenu à un parti, un syndicat, une secte, une maçonnerie quelconque. Donc c'était, j'allais dire, d'homme à homme, de copain à copain. Et cet homme a fini par m'accorder sa confiance, son amitié, je m'en honore. Et donc effectivement, j'ai essayé à mon niveau, de façon off, comme on dit, au cinéma, de lui donner un coup de main. Et notamment, il y a eu cette belle campagne présidentielle de 1995 où nous n'étions pas favoris. Bon, on avait l'impression d'être des Don Quichotte à l'assaut des moulins à vent et qu'il s'est terminé par une victoire inattendue. Bon, il y a eu des grands moments comme ça. Donc c'est quelqu'un que j'ai beaucoup aimé et que je regrette. Alors, vous nous disiez ce avec quoi rimait Chirac. Chirac, ça rime aussi avec Réac. Et c'est le titre d'un livre que vous avez écrit, un des nombreux livres, puisque vous le rappelez au tout début, une soixantaine de livres du bonheur d'être Réac. Oui, il y avait une dimension de provocation. J'imagine bien. Bien sûr. Donc, Réac, un réactionnaire au XIXe siècle, c'était quelqu'un qui refusait la démocratie et la République et qui voulait revenir aux institutions et à la monarchie de l'Ancien Régime. Bon, il ne s'agit pas de ça, mais le mot est devenu, l'ingrédient d'une démonologie moderne. Quand on veut néantiser quelqu'un, quand on veut lui clouer le bec, quand on veut l'interdire de parole publique, on dit c'est un sale réac. Hein, vous voyez, c'est le mot c'est un mot courant pour dévaloriser quelqu'un, et on voit bien ce qu'il veut dire. Il veut dire qu'on n'est pas dans l'air du temps. Alors je ne suis pas du tout dans l'air du temps, je le trouve pas infesté, et pas frais, pas reluisant, et donc à cet égard je me définis comme réactionnaire au sens étymologique du terme, en réaction contre les tendances lourdes de mon époque, parce que je pense qu'elles nous amènent vers quelque chose qui ressemblerait un peu au meilleur des mondes d'Aldous Huxley ou à 84 d'Orwell, c'est-à-dire un univers infernal et invivable. On y va à petits pas, mais malheureusement, j'ai l'impression qu'on s'en rapproche. À cet égard-là, je suis en réaction, je suis réac. Alors, vous vous intéressez beaucoup à la mémoire, au sujet de la mémoire, et je voudrais qu'on parle notamment de la tradition gaulliste à laquelle vous appartenez, puisque vous avez publié déjà il y a une dizaine d'années Les mots de De Gaulle, et je disais tout à l'heure que le livre sur l'éternel féminin n'est pas votre dernier livre, mais votre avant-dernier livre, puisque votre dernier livre, c'est précisément le dictionnaire amoureux du général De Gaulle, chez Plon, qui paraît donc en février 2020. Est-ce que vous voulez nous dire quelques mots sur la mémoire et sur ce devoir de mémoire ? Oui,
Et un écrivain, pour un écrivain, la nostalgie, la mémoire, c'est-à-dire c'est le pain, le sel et le miel. C'est avec ça que l'imaginaire fonctionne. D'ailleurs, dans cette collection Dictionnaire amoureux, où effectivement je vais publier le général de Gaulle, j'ai déjà publié le catholicisme et la France. C'est-à-dire que j'ai creusé en moi, au plus profond, en mon fort, pour essayer de retrouver qu'est-ce qui m'a formé, qu'est-ce qui m'a fécondé, qu'est-ce qui m'a structuré, à quoi je suis redevable. Alors, dans un premier temps, la France et la France dans ce qu'elle a eu de plus reluisant au XXe siècle, c'est De Gaulle, parce qu'il y a comme ça une chevalerie de l'ombre qui est sortie. On parle des compagnons de la libération, il y a eu la grande saga de la résistance intérieure et de la France libre. Il y a eu le parcours exceptionnel de ce que l'historien Guénifet considère comme un héros français, au même type que Bonaparte, que Napoléon, c'est son dernier livre. Plus profondément, je me suis bien rendu compte que je suis redevable, dans l'ordre de ma sensibilité, de mes aspirations les plus profondes, au catholicisme dans lequel j'ai baigné et dans lequel j'ai été élevé. Donc ça fait un tout. Alors c'est vrai que ce livre de Gaulle est mon testament politique. J'ai essayé à la fois de méditer sur l'histoire. Un homme d'État français doit se référer à la mémoire de ce pays, et cette mémoire est complexe, elle est riche, elle est même fabuleuse. J'ai essayé de délivrer, j'ai pensé aux nouvelles générations, j'ai des enfants, même des petits-enfants, et j'ai pensé délivrer une espèce de brevet de ce que peut être un patriotisme d'honnête homme dans ce début du XXIe siècle. Voilà, et puis en définitive, j'ai pensé aux hommes d'État en général, au président de la République en particulier, d'une certaine façon à l'écrivain, je pensais un peu à Emmanuel Macron, pour dire voilà comment la France doit être bien gouvernée pour qu'un quinquennat ou un septennat dans le temps échappe à la médiocrité ou à l'insignifiance. Alors ça ne veut pas dire qu'il me lira et qu'il en tiendra compte. Vous avez manifestement des messages à faire passer. Donc, il y a la mémoire, effectivement, de l'histoire, et puis il y a l'attachement aussi à votre territoire, à la Corrèze, que vous avez immortalisé dans Les Corréziens en 1991. Et puis, il y a les mémoires de Chateaubriand et les mémoires d'Outre-Tombe, puisque vous êtes l'auteur de Sur les pas de Chateaubriand. En quoi est-ce que c'est un écrivain qui vous a particulièrement inspiré? Oh, vous voyez que ça, il sera évoqué dans mon livre sur De Gaulle. Il a hanté le général De Gaulle depuis l'âge de 11 ans, si l'on en croit ce qu'il a écrit sur un livre d'or à Combourg, quand il est allé visiter le théâtre de l'enfance et de l'adolescence de Chateaubriand, là où a éclos le romantisme français et la sensibilité, j'allais dire, du teenager. Chateaubriand, il a inventé la littérature moderne, et il a donné à cette, notamment par sa confrontation avec Chateaubriand, par sa méditation sur les siècles des siècles, et par sa réhabilitation du catholicisme, avec le génie du christianisme, il a donné au romantisme français une espèce de nuance de mélancolie comme ça qui va se retrouver dans les vers de Baudelaire et qui va pratiquement innerver toute notre littérature jusqu'à François Sagan, jusqu'à l'époque contemporaine. Donc il est à la base de tout, et je relis les mémoires d'Outre-Tombe tous les deux ou trois ans. Ça fait partie de Gaulle faisait pareil. Et ceux qui s'en sont ont cru devoir gouverner au présent comme ça, au gré justement de l'air du temps, dans l'éphémère, des sondages, de la pression médiatique, ils ne font pas des grands hommes d'État. Qu'est-ce qui vous touche le plus personnellement dans ces mémoires d'Outre-Tombe? Les équivoques du...
Et l'aube d'un sentiment amoureux qui va cultiver dans ses relations avec sa sœur Lucille, très pure aussi, mais qui, elle, se cherchait et dans une espèce d'intimité très chaste entre eux, chaste mais pas complètement dépourvue d'épigone, et sont nés une sentimentalité qui va s'exprimer de la façon la plus belle, par exemple, dans les pages où il évoque la mort de son égérie du moment, Pauline de Beaumont, à Rome, comme ça, après une dernière balade dans le forum, cette femme qu'il n'aime plus, elle le sait, il lui fait croire qu'elle l'aime encore, elle fait semblant de le croire, il fait semblant de croire qu'elle l'a cru, vous voyez, il y a quelque chose qui est à la fois tragique et sublime, parce que le style est sans équivalent. Alors maintenant, si je vous dis spiritualité, vous me dites ? Alors spiritualité, ça renvoie, pour moi, ça renvoie forcément à mon enfance de petit garçon, vous l'avez suggéré tout à l'heure, tout à fait cancre et insupportable. Ce qui ne vous a pas du tout empêché d'avoir le parcours qui est le vôtre aujourd'hui, non, je le rappelais. Voilà. C'est vrai, mais le parcours, ce n'est pas très important. Ce qui est important, c'est que ça ne m'empêchait pas d'avoir la foi. Alors une foi, la foi d'un enfant, la foi du charbonnier, une foi hétérodoxe, mais enfin quand même comme ça, en étant un enfant de cœur, en allant à l'église, en s'émerveillant de la religiosité qui le cardinal Newman parlait des parfums du catholicisme, ça a élevé mes sentiments flous, vagues, compliqués, mais à une certaine altitude, et ça a coloré, je dirais, ça a enluminé, ça a enjolivé, ensoleillé toute ma vie. Donc la spiritualité, c'est que je pense, c'est la meilleure part de moi-même, celle qui ne peut pas s'empêcher au bout de moments de trivialité de la vie ordinaire, de se référer à une transcendance pour dire que je dois grimper un peu au-dessus, ailleurs, et au-dessus de celui que je suis, vers des étoiles qui se sont allumées en moi par la foi catholique, tout simplement. Qu'est-ce qu'il en est de l'éducation catholique que vous avez reçue ? Vous alliez régulièrement à l'église avec vos parents, vous avez eu une éducation catholique forte ou pas ? Une éducation que mes parents ont tenue à ce que j'aille dans cette école religieuse, mais il n'y avait pas de bigoterie. Hein, c'était... j'ai été élevé chez différentes institutions, vous comprenez pourquoi, parce qu'ils finissaient par en avoir marre de moi. Mais plus tard, on a essayé la laïque, ça n'a pas mieux marché, ça prouve bien que ce n'était pas la faute au curé, c'était la mienne. Oui, vous savez, la religiosité, ce n'est pas la foi. Mais ça y prédispose quand même. Quand on est dans une église, la pénombre, les vitraux, les saints dans les chapelles, ce sentiment de repartir à zéro dans une espèce de pureté originelle après la confession, ce sentiment de participer d'un mystère capital quand on est enfant de cœur, on est déjà un peu dans le... On est dans le Sanhédrin, d'une certaine façon. Ce que j'ai de moins mal, ça vient de là, sûrement. Et c'est sans la foi catholique et puis une sensibilité littéraire, par exemple. Je suis un écrivain façonné par la religiosité catholique, je serais devenu totalement fou, totalement cynique, et probablement les deux à la fois. On vous sent quand même très, très porté sur ces sujets, puisque vous êtes membre de l'Académie catholique de France, et puis vous avez publié ce dictionnaire amoureux du catholicisme auquel vous faisiez référence il y a quelques minutes. Donc on sent que ce sont quand même des sujets qui sont très prégnants dans votre vie.
Oui, oh ben, mais rassurez-vous, si je puis dire. Oh, je t'ai ni un cas ni rassure. Enfin, voilà, je suis un grand pécheur devant l'Éternel. Oui, pour moi, c'est capital. Alors, j'en parle pas souvent. Je suis pas très bien dans une société où, en tout cas, le catholicisme culturel est en train de disparaître. Je suis dans d'une génération où encore on baptisait pratiquement tous les gosses, ils faisaient leur communion, on mariait la fille à l'église, même si elle avait déniaisé tous les gars du pays, et on passait par un coup de goupillon à l'église avant d'aller au cimetière, même si on avait voté communiste toute sa vie. Bon, tout ça aura disparu en 30 ans, 30, 40 ans. Et ça m'angoisse, je crois qu'il y aura tôt ou tard un renouveau de l'Église de France et plus généralement du christianisme en Europe, mais bon, il manquera un maillon, et ça me fait un peu peur, parce que moi je crois à la transmission, je crois, je divinise pas du tout la tradition, sinon on la fige et c'est mortifère, mais je crois à la nécessité quand même de pérenniser quelque chose qui fait que même si j'avais pas eu la foi, si j'avais perdu, j'aurais quand même élevé mes enfants dans un minimum de culture catholique, parce que j'estime qu'il ne me revient pas de couper cette espèce d'immense cohorte de pieux, de fidèles qui traverse 15 siècles, et c'est 15 siècles d'histoire de France. C'est pour ça que le christianisme, le catholicisme, la France, Chateaubriand, De Gaulle, il y a une cohérence. Et vous me disiez tout à l'heure que vous étiez parrain d'une cloche de Notre-Dame, c'est ça ? Oui, j'en suis tout à fait indigne, et je l'ai bien dit à Mgr 23 quand il me l'a proposé. Il m'a dit que personne en serait digne. Bon, ça m'a rassuré. Et il m'a proposé, bon, j'ai eu la chance de porter un prénom qui est celui du premier évêque de Paris. Je pense qu'ils avaient envie qu'un des parrains soit Denis. Alors, il y en a un qui est Benoît, c'était Benoît XVI, plus prestigieux que moi, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc, il y a eu une. C'est la plus grande fierté de ma vie, j'y suis pour rien. Et donc, il y a eu une belle cérémonie pour le baptême de ces cloches. On a été une cloche à Notre-Dame, et quand j'entends les cloches sonner dans notre cathédrale, notre malheureuse cathédrale qui a été martyrisée, si je puis dire, par un incendie, je me dis, tiens, ma cloche sonne, et puis je suis un peu plus que moi-même, beaucoup plus que moi-même. Alors, pour terminer, je vous emmène sur le terrain suivant, sacerdoce. Sacerdoce, bon, c'est le prêtre, c'est celui qui préside à un mystère. Alors, d'abord, c'est le prêtre, parce que la foi, l'outre-monde, l'éternité des âmes, la résurrection des corps, c'est un mystère. Et un mystère, par définition, il est caché. Il faut un intercesseur. Et donc, ça, mais je pense aussi plus mondainement, trivialement, à l'État. Et je déplore que nos gouvernants, d'une chapelle ou d'une autre, de droite, de gauche, du centre d'ailleurs, ont perdu le sens de sacerdoce pour avoir l'impression qu'ils exerçaient, avec passion peut-être, un job, qu'ils animaient, qu'ils dirigeaient une espèce d'entreprise vaguement multinationale qui s'appellerait la France. Non, la France, c'est beaucoup plus que la France, pour pardonner Chardonne. Elle est porteuse d'un message universel, et gouverner la France, c'est de l'ordre sacerdotal et mémoriel. De Gaulle l'avait bien compris. La France, c'est les Capétiens, la France, c'est la grandeur napoléonienne, et la France, c'est la République. Et De Gaulle a bien compris qu'il fallait, avec ses institutions, faire un roi républicain et le pourvoir sa politique de la grandeur, qui n'est pas la puissance. La grandeur, c'est justement d'essence spirituelle, comme la légitimité qui justifie l'exercice du pouvoir. On voit tout ça. Alors, sur un plan
encore plus mineure, j'estime qu'un écrivain a un sacerdoce à exercer, sans prétendre à ce statut grandiose qu'il a eu entre Voltaire et Sartre, qui n'était pas d'un thaumaturge qui dit le vrai, le bien, le beau, le juste, et puis qui combat le mal et les puissants qui peuvent l'incarner, il doit quand même suggérer par sa littérature, c'est le seul outil dont je dispose, qu'il y a de la beauté et de l'amour dans le monde et en nous, et qu'il faut essayer de le rechercher, et que c'est mieux que tout le reste. J'allais justement vous demander ce qu'il en était de l'écrivain et de son éventuel travail de sacerdoce, entre guillemets, quand on sait que vous avez publié une soixantaine de livres. Combien de temps est-ce que vous consacrez généralement à l'écriture d'un livre? Est-ce que vous le vivez précisément comme un sacerdoce? À quel moment est-ce que vous écrivez? Combien d'heures vous y consacrez? Comment ça se passe chez vous? Pour Flaubert ou pour Blandin, c'était une malédiction. Alors, écrivain, c'est pas un métier, c'est une raison d'être, c'est une passion. Les jours où je n'ai pas la possibilité d'écrire, je suis mal dans mes pompes. J'ai l'impression d'avoir perdu, mon temps. J'écris tous les matins, en principe. J'ai publié d'ailleurs des romans, des essais, des récits, des poèmes, et puis je continue. J'écris tous les matins pendant des heures. Avec un rituel, parce que tout sacerdoce, on l'a dit, fait ses rituels. Alors le mien est simple, c'est un cahier de brouillon et un bic vert. Mais il n'y a qu'un seul impératif, il ne faut pas que j'ai picolé la veille. Vous n'écrivez pas sur l'écran, vous écrivez à la main? Ah oui, j'écris à la main, oui. Non, je ne sais pas me servir d'un ordinateur. Je ne sais même pas allumer une télé. Ah. Et comme je la regarde pour assister à des matchs de football ou de rugby, je suis obligé de demander à mon entourage de m'allumer, de me régler le son. J'ai loupé même pas délibérément, mais j'ai loupé la révolution numérique. J'ai l'impression qu'elle entraîne... vous savez, je suis un disciple du philosophe et théologien Jacques Ellul, ou de Bernanos, qui dit « un homme gagné par la technique est perdu pour la liberté ». Bon, alors comme moi je tiens un peu à ma liberté, j'ai renoncé à la technique. Alors c'est un peu égoïste, parce qu'il faut bien que d'autres s'en occupent pour moi, mais c'est comme ça. C'est pas forcément aussi mathématique, technique versus liberté, vous croyez pas ? Non, je crois que en s'assujettissant de plus en plus comme ça à une technique en mutation perpétuelle, vous voyez bien que les valeurs qu'essaient de promouvoir tous nos gouvernants, toute l'histoire du monde économique et médiatique, c'est l'innovation. Innover, c'est-à-dire changer tout le temps, c'est-à-dire détruire, ce qu'on appelle la destruction créatrice, c'est une formule de Schumpeter. On nous amène vers un monde où la mémoire sera de plus en plus occultée, parce que la mémoire, le passé, les traditions, les arts de vivre, les habitudes, mais tout ça, ça enraye l'innovation. Et donc, je suis pour défendre ce qui enraye et pour faire pour le moins une pause de quelques siècles dans l'innovation. Eh bien, écoutez, nous, on va faire une pause dans ce moment d'échange, puisque je vais venir vous rejoindre sur le plateau. Vite. Je reviens tout de suite. À tout de suite, Denis. Alors, Denis Tillinac, qu'est-ce que vous auriez éventuellement envie de dire ou de partager après l'expérience que vous venez de vivre ? De quelle expérience ? L'expérience de se retrouver seul sur ce plateau avec les mots que je vous ai proposés. Que je préfère vous avoir en face de moi. D'accord. J'aime bien ce qui définit aussi la civilisation occidentale par rapport à d'autres. Et elle a dû lutter contre ce qu'on a appelé les querelles, l'iconoclasme, c'est la représentation. Notre civilisation représente le visage. C'est dans la tradition juive, dans la tradition musulmane, on ne peut pas représenter l'infini, l'absolu, l'un. C'est un sacrilège. Et la nôtre, et notamment l'Église catholique, a toléré et même encouragé qu'on représente, par exemple, la Vierge sous tous les traits. Et des peintres ont peint des Vierges qui ressemblaient beaucoup à leur épouse ou à leurs égéries, vous voyez. Et bon, donc j'aime avoir un visage en face de moi. J'ai toujours un peu peur de tout ce qui est l'anonymat de la technique.
Alors, vous disiez à l'instant que quand vous n'écrivez pas, vous vous sentez un petit peu perdu finalement. Mmh. Et je me demandais quel est votre moteur dans la vie, quel est votre levier, quand vous vous levez le matin, quel est votre levier? Écrire tout de suite. C'est vraiment l'écriture. Écrire, oui. Et si j'ai pas un livre en train, souvent m'est suggéré un poème, peut-être en ouvrant les volets, en voyant le givre du matin sur les arbres l'hiver, comme ça, un peu squelettique, un peu dénudé, le soleil qui émerge de la brume sur ce plateau où se situe mon village, et tout de suite ça se met en branle, quoi. Alors il faut juste du café et des cigarettes, c'est pas exigeant. Qu'est-ce que vous faites quand vous ne travaillez pas? Je lis, j'ai passé ma vie dans les bouquins. Je lis, je suis pas un grand consommateur, notamment consommateur de ce que Guy Debord a appelé la société du spectacle. Au cinéma, au théâtre, ça me rase un peu. Je lis, je pense, depuis l'âge de 15 ans, je lis presque un livre par jour. Et donc, je lis, j'ai l'impression que de me démultiplier, j'ai toujours senti que c'était une espèce d'aberration qui m'avait fait naître ici dans cette époque que j'aime pas beaucoup. Alors donc, je m'en évade, et avec Balzac, je vis dans la société de la Restauration, avec Zola dans Suite du Second Empire, avec Proust au début de la Troisième République, avec les troubadours au Moyen-Âge, avec Juvénal dans la Rome antique. Vous voyez, je me promène, et puis je me promène dans des sentiments. Il y a une richesse d'expression de l'intériorité dans la littérature française, prose ouverte, telle que il y a une part en moi plus nostalgique, plus vindicative, plus douce, plus ténébreuse. Bon, il y a tout ça. Donc c'est ma citadelle, les livres. Ça me protège d'une réalité qui n'est pas très romanesque. Vous avez une œuvre qui est extrêmement pléthorique. Quel message, finalement, est-ce que vous avez eu envie de faire passer? Est-ce qu'il y a un message un peu récurrent, ou est-ce que chacune a son existence propre? De toute façon, le message, ce n'est pas dans les romans. Un roman, j'ai essayé de peindre ce que je ressens et que ressentent mes contemporains à hauteur de ma génération, j'allais presque dire de mon milieu au sens large, une bourgeoisie moyenne avec une souche dans la ruralité, mais qui est montée à Paris et qui garde les maisons de famille et qui entretient, ce que je disais tout à l'heure, une dialectique entre les deux. C'est formalisé par ma vie qui se passe quelque part entre la gare d'Austerlitz et la gare de Brive-la-Gaillarde. Et donc un de mes domiciles, c'est l'intercité, rarement à l'heure d'ailleurs. Oui, j'imagine. Est-ce qu'il vous arrive, c'est peut-être intime comme question, mais est-ce qu'il vous arrive parfois de prier? Oui, d'essayer. D'essayer, oui. Alors, en fait, d'essayer, c'est comme si c'était quelque chose de... Je dis toujours que ma prière du soir, c'est quand je ferme les volets, que je regarde à l'horizon de l'autre côté de la gorge du fleuve qui est en bas de chez moi. Il y a les lucioles d'une petite ville. Et puis, des fois, il y a la lune. Et des fois, il y a les étoiles. C'était le cas ces jours derniers. Et je dis, bon, mais je ressens un sentiment de gratitude. Et je dis que c'est ma forme de prière. Il peut m'arriver de rentrer dans une église aussi et d'essayer de me laisser porter par l'ambiance. C'est un peu idiot de dire ça, mais pour non pas m'évader de moi-même, mais retrouver un moi plus intime qui existe en moi, mais dont je suis rarement digne. Vous voyez, c'est une autre forme de prière, mais je ne prie pas. Je ne prie pas comme quand j'étais gosse naïvement pour que le Stade de Reims batte le Racing par 3-1. Oui. Bon, vos messages à Dieu aujourd'hui, c'est plutôt de la gratitude, c'est ça que vous dites ? Oui, que de la gratitude. Bon, là, l'étrangeté inouïe d'exister. Donc, à partir du moment où j'existais, je trouverais tellement bête de perdre son temps en grignotant sa vie comme ça, l'adolescence, l'âge adulte, le boulot, la retraite, il faut s'exalter, il faut s'émerveiller en permanence. Il y a,
Il y a 10 000 façons de le faire, il y a 10 000 occasions même. Donc je suis quand même dans un état de gratitude et d'émerveillement, même si le spectacle de la vie sociale m'insupporte. Mais je pense que c'est à notre époque, mais je pense que j'aurais été anard et dissident dans n'importe quelle autre époque. Alors évidemment, comme je n'en ai que le meilleur, ce que les écrivains en ont tiré comme suc, j'y suis chez moi. Mais c'est peut-être un faux chez moi. Bon, chez moi, c'est Dieu. Mais il m'ouvre les portes, mais bon, il y a encore du chemin. Qu'est-ce qui vous fait peur ? Bon, les fâcheux, les rasoirs. Les gens pleins d'eux-mêmes, les gens qui considèrent qu'il suffit, que leur ego leur suffit, quoi. Font peur parce qu'on a l'impression que leur connerie est irrémédiable. Hein, je préfère les gens qui font beaucoup de fautes, qui font beaucoup de conneries, qui essaient de se rattraper, qui les font dans l'enthousiasme, obéissant à une chimère, à une rêverie, un idéal, un amour. Vous voyez, tout bon. Mais ce qui me fait peur, oui, c'est vraiment les vrais cons. Bon, ils ne le sont pas à 100%, mais ceux qui suffisent. Mauriac disait ce qu'il déteste le plus au monde, la suffisance d'un imbécile. Oui, bon, ça me fait un peu peur et je les fuis. En tout cas, on était ravis de vous recevoir pour parler de votre regard sur la vie et puis de vos deux livres. Hein, le premier sur L'éternel féminin, voilà, aux éditions Albin Michel. Et puis ce dictionnaire consacré à De Gaulle. La France éternelle. Absolument, exactement. Merci beaucoup, Denis Pilinac. C'est moi qui vous remercie. Et merci à toutes et à tous de nous avoir suivis. À très bientôt.